double disque de platine. Respect ce Stromae. C'est la fin de la tournée, mais c'est vrai que le gros se termine là maintenant, quoi, cette semaine. Et donc voilà, j'ai pleuré comme un bébé. Eh ouais, la grosse dépression d'après-tournée, ça fait peur. Je me demande comment je vais vivre l'après. L'après-tournée, on va voir. De toute façon, faut travailler. Hein. Mais c'est juste que c'est un travail un peu moins... gratifiant directement, quoi. Donc c'est sûr que c'est un peu... T'es tout seul, quoi. Ouais, t'es tout seul. Et à un moment, il va falloir que je retourne à la vraie vie pour écrire des choses de la vraie vie, quoi. T'es en train de plomber tout le truc, là. Ouais, on va retourner à la vie normale. Alors on danse. Alors on danse. Il a toujours tout fait tout seul. Il fait ses compositions tout seul, il fait ses textes tout seul, conceptualise ses clips tout seul, enfin voilà, tu lui donnes des petites idées, mais c'est quand même lui qui part toujours, c'est toujours lui qui vient avec la trame, c'est toujours lui qui vient avec l'idée initiale. Je pense que la difficulté de mettre une étiquette sur le style musical de mon frère vient de sa capacité finalement à s'inspirer de plein de choses différentes en fait. Il est grand, mince, et il a souvent des costards nos papillons. Intriguant, passionnant et on va dire quoi, émouvant. Alors on danse, jusqu'à demain, alors on danse. Pour oublier, alors on danse. On danse, on danse et puis on danse, alors on danse. Frais, souriant et enjoué. Belge, beau, sympathique, sautillant. Dansant, quelqu'un avec beaucoup de charisme, quoi. Comment j'ai rencontré Stromae en... Je l'ai rencontré... c'était à l'internat. Je le cherchais en fait, mais je n'avais pas son nom. Donc j'ai demandé à quelques potes de me trouver un nom de scène, parce que quand tu fais du rap, c'est toujours plus cool d'avoir un nom de scène, de ne pas prendre son vrai prénom. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé d'abord OPS Maestro, donc c'était un autre qui s'est transformé en Stromae et voilà, qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Stromae est un artiste vraiment atypique, puisqu'en fait il vient d'une base plutôt hip-hop. Et finalement, pendant pas mal d'années, il a travaillé dans ce circuit-là. Mais avant ça, il était toujours passionné par la musique, puisque finalement, très jeune, il a suivi des cours à l'académie. C'est à la fois, je dirais, un instrumentiste et un chanteur. C'est aussi intéressant de se rendre compte que Stromae à la fois chante, mais au départ, c'est un musicien, c'est un instrumentiste, c'est un batteur. Se cache derrière Paul. Alors là, c'est assez difficile. Moi, je dirais que c'est un jeune homme comme tout le monde, en fait. C'est un monsieur tout le monde. C'est quelqu'un de très... il analyse beaucoup les choses et c'est quelqu'un qui va pas foncer tête baissée. Quand tu rencontres Paul, t'as une personne en face de toi et puis quand tu la connais un peu mieux, t'as l'impression d'avoir ouvert un truc et qu'il y a une autre poupée dedans. Et c'est comme ça. Pour l'instant, j'ai pas été au cœur trouver la petite poupée qui fait vraiment le...
le cœur de ce qu'est Paul, je pense que comme chez tout le monde, à la base, il y a une douleur. Et petit bébé, il faudra se taire, même si papa frappe ta mère, ben il faudra s'y faire. Je sais qu'il fait mal, même quand il s'en va, mais c'est tout à fait normal, car papa a les plus gros bras. Dodo, l'enfant de ton bébé dormira bien vite. Dodo, l'enfant de ton bébé dormira. Je viens pas de la rue, je viens pas de... C'est lourd de dire ça, c'est lourd de sens, quoi. Dire je viens de la rue, quand même... Voilà, ma mère a pu me payer un internat, même si elle s'est saignée pour ça. Elle a tout fait pour que j'aie une bonne éducation. J'ai eu des cours de solfège, j'ai eu des cours de danse. Non, c'était la belle vie, voilà. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit l'étude. Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier, qui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Quand j'écris quelque chose, je l'interprète dans tous les sens pour me dire, ok, est-ce que ça peut être compris comme ça, comme ça, comme ça. J'ai envie que le message que je veux passer soit compris par tous de la même manière. Je l'aime à mort, mais pour la vie, on se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Oui, je l'aimais tellement, que je l'aime encore. Je n'aurai pas le choix, non. Jusqu'à la mort. J'ai tout fait pour être anti-cliché, etc., parce que j'ai trop peur de ça. Et finalement, je remarque que c'est à chaque fois des choses qui ont touché mon entourage proche, plus ou moins proche. En tout cas, apparemment, c'est difficile de passer au-dessus de ça, quoi. C'est juste, en fait, c'est trop compliqué de parler de manière sincère d'un truc que tu connais pas du tout. En fait, tu dois le connaître un minimum. Et quand je trouve que c'est réussi, ben forcément, ça prend aux tripes. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors on danse. J'ai entendu souvent que c'était la chanson de la crise. C'est possible, peut-être qu'elle est tombée au bon moment, je sais pas. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, dit famine, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Un morceau dansant avec des textes noirs. Voilà, la complexité de l'être humain, notre côté yin-yang. C'est assez touchant aussi quand on voit les gens en boîte ou dans les boîtes de nuit danser sur cette chanson-là. Parce que qu'est-ce qu'ils en comprennent de cette chanson-là? Comment est-ce qu'ils la vivent? Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus. Le succès mondial d'Alors on danse ne s'explique pas. Ou bien s'il s'explique, c'est simplement parce qu'il y a un élément presque chamanique, presque magique, qui fait que waouh, ça entre dans les ménages de gens qui ne partagent pas sa langue. Ça part de la banlieue de Bruxelles. Et ça voyage, et c'est numéro un à travers toute l'Europe, et ça voyage dans l'Amérique latine, dans l'Amérique du Nord, en Asie, enfin partout, tout le titre, tout le monde en a entendu parler. Je crois qu'il y a un esprit hyper joyeux, puis il y a un côté hyper mélancolique, en fait, dans la mélodie même. Même si tout le monde dit la musique est joyeuse et les textes sont tristes, finalement, je pense pas que les textes soient totalement tristes et je crois pas que la musique soit totalement joyeuse. Quand t'as eu un titre comme ça, un tube pareil, et bah quelque part, t'es, que tu, consciemment ou inconsciemment, même souvent c'est inconscient, et bah t'es toujours en train de chercher ce tube pour retrouver ces sensations, pour retrouver ce niveau de notoriété, pour retrouver tous les gens qui t'ont aimé, quoi. Et je pense que ça crée beaucoup de blocages.
Ça, c'était ouf. C'était pas grave. Bienvenue chez moi. Bizarrement, c'est comme si on s'était toujours connus. Et il s'est passé quelque chose de très simple, naturellement, entre tous les membres de l'équipe. Il y a eu une espèce de vraiment d'énergie comme ça, où tout le monde était soudé, tout le monde avait l'air d'être pote et de se connaître depuis super longtemps. Je pense que la création de la famille, c'est surtout dû grâce à Paul. Je pense qu'il a cette faculté qu'ont certains grands leaders de pouvoir fédérer les gens autour de lui. Et c'est une de ses grandes forces, il en a plusieurs en tant que Stromae, mais la première, c'est d'avoir su créer un esprit de famille. Enfin, moi, personnellement, ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est son sens de l'esthétisme. Il a vraiment un sens de l'esthétisme, un goût du visuel. Rien n'est fait par hasard, quoi. Et au final, on se rend compte, une fois qu'on commence vraiment à rentrer dans son univers, à être plus avec lui, que tout dans sa vie, et principalement dans son boulot, a une vraie importance pour lui au niveau de l'esthétisme. Détendu qu'à Paris, beaucoup plus détendu qu'à Paris. À Paris, c'est une espèce d'effervescence de stress, et là, c'est bonne humeur, calme, c'est cool. Est-ce que tu peux prévenir quand tu filmes comme ça, je bloque la respiration et je gonfle un peu les pecs, tu vois. En avril, fin avril. T'as envoyé un mail et tout, ouais. Confirmé tout ça. Enfin, je vais juste avoir la confirmation finale, mais ça va arriver. Moi, oui, t'inquiète. Ah, tu manges ça comme ça? Oh. T'es à la peine. T'es à la peine. T'es pas plus emmerdant que la tournée de Stromae, en fait. On se le dit à chaque fois. Dans le sens où, sur scène, c'est cool, c'est très bien même. Et puis après, dès qu'on descend de scène, ben ouais, non. Y a pas de meuf dans les loges, y a pas d'alcool, y a pas de drogue. Non, y a pas ces choses-là, quoi. Ça part dans 5, 4, 3, 2, 1, cue. Peace or violence. Est-ce que tu veux danser Montréal? C'est parti. Mais quel super public! Alors on danse. Alors on danse. Jusqu'à demain. Alors on danse. Et moi je voulais peut-être proposer un truc, c'était rester immobile en fait. Je suis constamment hyper introverti, timide. Et donc, j'ai pas cette tchatch qu'a Dimitri. Tu veux faire quoi exactement? Moi, sur Alors on danse, en fait, j'ai envie de rejoindre les musiciens, de faire Alors on. Qui dit étude, dit travail, je fais le début de mon couplet. Elle, pendant qu'elle fait son couplet, moi, je la rejoins, tu comprends? Mm-hmm. C'est ça que je trouve qui fait un peu. Voilà, c'est un peu genre. Elle est dans son univers, je suis dans mon univers, et puis. Est-ce qu'on peut en parler maintenant avec elle ou pas? Oui. Paul, c'est un mec qui est super exigeant, et donc voilà, tu. Et donc, comme il est exigeant avec lui-même, bah, tu te dois. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a même pas cette pression, en fait. Et puis, sur Violence, c'est parfait. Oui, on sent que c'est une unité. Ça va bien. Mais après, il trouve. C'est pour Alors on danse où c'est. Voilà, il a été fait pour une entité qui est, eux, en fait, une pyramide où ouais. Je n'ai pas de place dedans. Et il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est juste que je pense alors qu'il est plus judicieux que je rejoigne mes musiciens à ce moment-là. Donc, ce que je me disais, c'est qu'au moment où on arrive sur ce chariot, on s'immobilise, on reste comme ça et on voyage. Peut-être que c'est trop long. Mais j'ai peur que les gens. On n'est pas dans un vidéoclip, là. J'ai peur que si toi tu t'immobilises, ça les déstabilise. À mon sens, c'est un grand créateur. Et donc, il fallait respecter. Et de toute façon, il est tellement respectueux, tellement gentil. Le mot gentillesse a été inventé pour lui. Puis on voit, il est tellement intelligent. Donc, que c'est pas pour faire sa star ou pour demander. Mais moi, j'avais l'impression que de toute façon, que de l'accommoder, ça n'allait rendre que l'émission meilleure, puisqu'il n'avait que des bonnes idées. Juste, il veut dire au bon endroit les bons trucs au réalisateur.
faire pour que déjà ils se mettent en condition. Ok. Ça te dérange pas. Il s'appelle Jean. Jean. Allô, Jean? Tu vas bien, Jean? Je voulais... le moment où je rejoins mes musiciens, c'est au début d'Alors on danse. Il sait faire passer ses envies et ses désirs tout à fait naturellement. Et je sais pas comment il fait, mais t'as l'impression que c'est toi qui as eu l'idée, en fait. Il a des idées, mais en fait, t'as l'impression que c'est toi qui l'as eu. Et donc, du coup, ça te paraît une super bonne idée, t'es super motivé pour la développer. Et puis, en fait, tu dis, mais en fait, c'était son idée. Il détient le record absolu de la chanson francophone la plus téléchargée sur iTunes depuis l'existence du numérique. Ça y est, je viens d'y naître. Je sais pas où je vais ni où je suis, mais tous veulent y être. Quelque part, là-bas dans la vie, et là je veux y mettre le pas. Mais seul mon âme a l'accès, et je sais que je n'ai aucun de ces abcès plus légers que d'hab. Je m'envoie les fraudes, les sales, où collent mes quatre pattes. Chut, soudain ces voix me chantent, qu'une âme sait que celle-ci est absente. Ose mort, marre de vivre, mais mes envies de vie se chiffrent, alors je suis ivre de pensées, de nuances, de chansons, de sens, et je ne sais sur quel pied je danse. Donc je pars non-stop, je pars en retard comme toujours, c'est pourquoi je... Bonjour, c'est Stromae, vous écoutez C'est bien meilleur le matin avec René Aumirois et son équipe à la première chaîne de Radio-Canada. Bonjour, c'est Stromae, bienvenue sur le nouveau site de 7jours.ca. J'ai ouvert mon cœur, okay. Tu vois, je me suis ouvert vers les autres. Et donc, quelque part, je... je dis des conneries, c'est un truc de ouf. Stromae est un artiste avec beaucoup d'humilité, mais quelque part, il participe aussi à cette belgitude. Il participe à un environnement assez complexe chez nous. Pourquoi est-ce qu'à partir du moment où il aurait du succès, il ne pourrait pas parler aux voisins? En Belgique, c'est comme ça que ça se passe. On parle aux voisins. Je pense que l'humilité, cela dit, c'est je crois que c'est... J'ai l'impression que c'est propre à la Belgique. On le refait. On le refait, Paul. Paul. Enchanté, Philippe. Ah oui, tu dis ton vrai nom comme ça en entrevue? Oui, parce que tu me donnais ton vrai prénom. C'est ton vrai prénom, quoi. Ok, donc je te donne mon vrai prénom, ouais. En fait, tout est fait dans ce pays, en fait, pour n'être fier de rien du tout, en fait. C'est ça qu'il y a. C'est que on n'est même pas derrière un drapeau. On est derrière personne. On sait même. Il y a un artiste qui se fait connaître à l'étranger ou bien qui représente le pays à la limite à l'étranger, mais on le sait même pas. Et puis on est vraiment des surréalistes et c'est ça la classe, quoi. On est vraiment bizarre, quoi. Et ça tue. Donc Paul, Émilie, Paul, enchanté. Alias Stromae, je le prononce voilà. Bien? Très bien. Est-ce que tu es actuellement sur le travail de ton prochain album? Tout à fait, tu connais ma vie. Ah, hein, je suis renseigné. Tu es bien renseigné. Figure-toi que oui, justement, et je paye les pots cassés d'avoir glandé pendant 2 ans, en fait. J'étais juste... Sur la scène. Voilà, sur la scène, et beaucoup d'interviews aussi, qui sont très chouettes. J'aime beaucoup, c'est juste que c'est la facilité, forcément. Ben, on parle de ta vie, t'es là, c'est cool, hein, tu vois. Et puis, être tout seul face à son ordinateur, là, c'est autre chose. Et là, tu dois affronter tes propres craintes, le fait que t'es un peu fainéant aussi, il faut le reconnaître. Et donc je paye les pots cassés de ne pas avoir travaillé pendant 2 ans. Une grosse, grosse erreur de simplement ben, penser que ouais. Ça y est, on est devenu une espèce de génie qui ne doit plus pratiquer, qui ne doit plus travailler en fait. Ouais. Et le jour où il va venir 5 minutes sur son ordinateur, ah ben tiens, ça va venir, mais en fait pas du tout. Ça c'est le petit plus par rapport à l'année passée, comme j'étais déjà venu au Métropolis justement, avec un morceau unique qui est Pipi au lit. Oui. Et alors d'autres morceaux aussi c'est que je n'avais pas entendu. Pipi au lit, est-ce qu'on peut avoir une explication? En fait, c'était une espèce de décomplexisation, si ce mot existe, du fait de faire pipi au lit, parce que je l'ai fait jusque très tard. Ah, moi aussi. C'est vrai? Oui, on a quelque chose en commun. Quel âge? Je dirais pas loin de 8-9 ans. Ah, moi, c'était plus, hein. Ah oui? Je me demande si c'était pas 13-14 ans. Oui, ok, d'accord. Ouais, c'est grave. Mais bon, fais pas trop le malin non plus. Hein. Non, non. À la base, c'était, je parlais que de musique. Là, aujourd'hui... chose que j'ai apprise avec mon premier album, je crois que c'est vraiment qu'on peut parler de plein de choses et qu'il n'y a aucun sujet qui est cliché en fait. C'est la façon d'y arriver qui est cliché,
ou pas. Et donc, forcément, on peut parler d'amour, on peut parler de... En fait, j'ai plus aucune limite au niveau des thèmes. J'en rêve si profondément, et merde, laissez-moi faire pipi au lit. Ce sera la dernière fois que je ferai pipi au lit, ou presque la dernière fois que je ferai pipi au lit. Au moins ça me réchauffera de faire pipi au lit, de faire pipi au lit, de faire pipi au lit. L'artiste de référence aujourd'hui, aujourd'hui. J'hésite entre Ibrahim Ferrer et Césaria Évora, en fait. Ouais. Mais je pense que j'opterai pour Césaria Évora parce qu'elle nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et elle me fait beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions quand je l'écoute. Donc, Madame Évora. Avec qui je rêverais de collaborer ? Dans le futur, on ne peut pas dire dans le passé parce qu'en fait, elle est déjà morte, en fait, cette personne. Non, ce serait Césaria Évora, encore une fois. J'ai déconné parce que je l'ai croisé à La Réunion et parce que je suis un vieux timide de merde et parce qu'elle était à deux pas de moi et j'ai été lui demander... En fait, je n'osais pas aller vers elle. Enfin, j'étais vers elle deux secondes, je lui ai dit bonjour, etc. Je lui ai dit que je faisais de la musique, etc. Mais je n'osais pas la déranger parce que j'aime pas déranger. Mais je n'ai pas eu les couilles d'aller chez elle et de lui dire voilà, est-ce que j'aimerais bien faire un featuring ou quoi. J'ai parlé un peu avec son manager, mais voilà. Mais ouais, ça aurait été elle ou Ibrahim Ferrer ou c'est plus ces gens-là en fait qui me ouais. Je crois que la seule personne avec qui j'aurais voulu faire un featuring peut-être sur le premier, ça aurait été Sébastien Tellier. Dans vos influences, il y a Brel. Oui. On s'en rend compte quand vous faites Tequiero, vous le faites. Je dirais pas à la manière de Brel, mais enfin on peut pas ne pas penser à Brel. C'est conscient, ça, c'est choisi. La comparaison avec Brel, je la prends hyper bien déjà. Tu peux pas la prendre autrement. J'en ai jamais voulu à qui que ce soit qui me compare à Brel. Au contraire, justement, je dis merci beaucoup. Donc merci d'ailleurs à tous ceux qui me comparent à Brel. Je le prends hyper bien ce compliment. Cela dit, c'est mon travail de changer, de surprendre. C'est le travail d'un artiste, quoi. C'est tout. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Le jour où on me comparera plus du tout à Brel, ben ce jour-là, je ferai une reprise de Brel quand on m'y attendra plus du tout. Donc là, pour l'instant, je pense que c'est peut-être pas le moment de faire une reprise à lui. Même si très consciemment, je fais pas mal de clins d'œil gestuels. Vocaux, et donc ça, je l'assume entièrement, quoi. On fait ça en marchant? Ben, je sais pas. On pourrait quand même pas sauver du temps. Et en anglais. Yeah, in English. To walk and talk at the same time? Yeah. But it's a lot of things at the same time. So what does your Rwandan background bring to your music? I didn't understand the question. Je voulais qu'on l'envoie, en fait, dans une espèce de famille d'accueil, mais c'est... Je peux plus faire ça. Comment ça s'appelle les voyages? C'est vrai que j'aurais bien voulu. Une famille d'accueil en Angleterre, tu vois, genre en plein fond de la campagne anglaise, tu vois. Dans une famille, il est là pendant 2-3 mois. J'aimerais bien avoir accent anglais en plus. Et il fait ses compos et ben bon, voilà. Le français est une langue qui sonne tout autant que l'anglais, le néerlandais, le kinyarwanda, le lingala, l'espagnol. C'est juste qu'il a ses... Comment dire, il a son son à lui, il a ses intonations à lui, il a, voilà, ça m'énerve quand on dit l'anglais sonne mieux que le français en musique, c'est de la n'importe quoi, c'est autant de la merde que mon anglais, voilà. Il adore les challenges, quoi, mais toutes sortes de challenges. C'est-à-dire que parfois, on est là dans la rue et je lui dis « Est-ce que t'es capable de sauter par-dessus cette poubelle ?» Et à partir du moment où on lui dit « Est-ce que t'es capable de sauter par-dessus ?», il va se dire « Il faut qu'il le fasse, quoi. » Un gagnant, 40 secondes et pas plus. La compétitivité chez Paul, c'est un truc qui est quand même super élevé, super important. Je lui disais, mais est-ce que t'es compétitif comme ça depuis que t'es petit? Et il me disait, non, je crois pas, je crois que c'est venu un peu avec l'âge, etc.
Il est très compétitif, mais je crois pas que ce soit un défaut dans le métier qu'il fait. Compétitif, bon esprit, pas du tout en écrasant ce que font les autres, quoi. Mais il aime bien être le meilleur et être premier du classement. C'est dès qu'il y a de la compétition, tu vas trop loin. Tu sais pas t'arrêter, ça part avec elle. Ah, je suis lourd. Franchement, c'est pas ça. Mais mec, c'est pas encore le moteur, il est déjà... Rigole pas ici, tu comprends ça? Non. Tiens! Je suis vraiment dit, putain, je suis un gamin en fait. Enfin, pas mauvais perdant, donc ça va. Enfin, j'espère. Et la première place, le grand gagnant, 32 tours de piste. Mais qui c'est? Paul Valadon! Et voilà, félicitations! Merci, pardon. On dirait trop que c'est truqué, mec. Je pense qu'en fait, les artistes, en général, ont cette envie-là, un minimum. Sinon, tous les artistes, et même, peu importe, tous les passionnés, je pense qu'ils sont un petit peu compétiteurs. Sinon, t'es pas passionné, je crois. Négro, tu vois comment ça se putain de passe ici? Tu fais du karting, tu obtiens là. Je viens de gagner une médaille d'or. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Vous avez un champion de karting. Hein. Information très importante, il a gagné une médaille d'or cet après-midi. Simon, tu parles à mon manager maintenant. Yoshi, même chose. On s'appelle juste champion en partie maintenant. Moi, champion. C'est vrai, champion. Hein? Champion. Je vais venir chanter, champion. Les gars, on y va ou quoi? 1, 2, 3, 4. Tel qu'hier, je voudrais être son ombre, mais je la riteste, même au bout du monde. Et bien qu'il y reste, oui, je l'aimais tellement que je l'aime encore. Je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. C'est du castor, mec. Ça, c'est trop grand, ça, j'ai. Ah, putain, c'est stylé, fille. Bien ou quoi? Bien ou quoi, négro? Tranquille. Ça, c'est exagéré, monsieur. Il y a des gens qui achètent ça. On en vend un par année. Un par année. Un par année. Ah ouais, quand même. Ce serait mentir que de dire que je suis pas à la mode. C'est essayer de sentir, de mettre des choses que personne ne mettrait, mais finalement, je prends pas trop de risques non plus. Donc finalement, je me situe vrai. Tu sais, je crois que le mot qui m'irait à merveille, c'est vraiment le juste milieu tout le temps. Et c'est des espèces en voie d'extinction ou pas du tout? Le castor, non. On en a énormément dans le pays. Mouton et castor, c'est par là? On va peut-être lui demander des chemises. Ce qui fait que son style est aussi intéressant et aussi chouette et aussi pop, c'est qu'il a pris, il s'est influencé de plusieurs mouvements, milieux. Il y a un peu de dandy anglais, dans le pied de poule, les coupes cintrées, etc. Il y a un peu de sable congolaise, donc les chaussettes de couleur, les assortiments, les dessins sur les pulls, etc., etc. Et c'est ça qui fait que son style est aussi énergique, selon moi. C'est qu'il y a vraiment, piqué plein de petites influences. Il a un style particulier que personne d'autre n'a en France ou en Belgique.
Quand on le voit sur scène, si on ne connaît pas sa musique, et si on connaît le personnage, on sait tout de suite que c'est lui. Donc il est tout de suite reconnaissable. Et je trouve ça vachement intelligent en fait, de sa part. Mais je trouve que c'est vraiment c'est cohérent avec tout le reste. C'est un style qui n'est pas forcément dans la tendance à 100%. Il sort un peu de la tendance. C'est quand même un particulier. Il n'y a pas 10 mecs qui s'habillent comme lui. Et donc, selon moi, et je pense que enfin, ce serait malin de le faire, il faut qu'il garde ce look-là sur la durée, justement. C'est une peinture, lui. D'ailleurs, c'est une peinture, cet enfoiré. Si j'étais beau comme Watt, laisse tomber. Je parlerai avec plus personne. Merci, Jamel, ça me fait plaisir. Mais c'est la vérité. Tes yeux, surtout tes yeux. Tes yeux, c'est tout. Tes yeux, il y a tout dans tes yeux. Bon, il y a le sourire, évidemment, mais il y a les yeux. Tiens, fais voir. Ouvre bien les yeux. Tes yeux, mon pote. Chante la chanson qu'on aime tous. Il a un style unique. C'est vrai, il a un truc qui est particulier, quoi, qui est singulier. Et d'abord, il est noir et il a les yeux verts. Jaune, chelou. Ça c'est physiquement, il y a un truc bizarre. Ça pourrait être une pub pour le métissage, ce mec. C'est une pub ambulante pour le métissage. Bonjour, c'est Stromae. Rendez-vous Marrakech du Rire. Bonjour, c'est Stromae. Sinon, on dit Stromae. Je me dis à la française, Stromae. Ouais. Non, on dit Stromae. Okay. On dit Stromae. Je me baisse à chaque fois, tu vois, j'interviens à chaque fois. Le rendez-vous du Marrakech du Rire, 17 10 juin. Non, j'ai une autre date, si tu veux. Ouais. Du 6 au 15 juin. Du 6 au 10. Ok, ça. L'impro demande énormément d'écoute. Et surtout de positivisme. Il faut être d'accord et ouvert. Il faut être oui pour faire de l'impro. Bonjour, c'est Stromae. Bonjour, c'est Stromae. Okay. Bonjour, c'est Stromae. Et je vous attends au Marrakech du Rire du 6 au 15 juin. Du 6 au 10 juin. Du 6 au 10 juin pour le Marrakech du Rire avec Jamel, Franck Dubosc, François-Xavier Dumoulin. De Maison. Ah oui, pardon. J'étais trompé. Ah ouais, excuse-moi. J'aimerais bien tourner avec lui, comme comédien. Alors évidemment, il y a la chanson, mais je trouve que... Je vous jure, il a un truc... On dirait qu'il y a un truc avec le corps qui est assez abstrait. Et il me parle physiquement, quoi, d'abord. Et puis, j'ai joué avec lui, il a une écoute. Les comédiens, souvent, les comédiens n'écoutent pas. Tu vois, les bons comédiens écoutent. Et lui, il a ça. C'est assez inné. C'est sûrement dû à la musique. Alors, on ch'ta. Alors, on ch'ta. On va s'éclater la gueule. C'est extasié, même. C'est extasié, Jamel. Très bien. Il faut qu'on réfléchisse, en fait, à une... à tout l'habillage, en fait, de la prestation pour les Victoires de la musique. Et donc on a un espèce d'écran géant énorme qu'on peut utiliser et voir moins, ce qui... moins de partir du drapeau et puis de faire d'autres trucs, quoi, tu vois. Non? Je sais pas. Non, mais ce serait bien de soigner un... Faudrait peut-être poser la question à Arnaud, De faire vraiment un tableau. Faudrait peut-être poser la question à Arnaud. Bah, appelons-le. Ouais. Hein? Ce serait pas cramé d'arriver avec des soldats, Joe? Genre, tout des... genre en mode... Moi, je garde les idées, hein. Genre en mode tout seul. Après, faut voir si Arnaud veut qu'on fasse ça de sa musique, quoi, tu vois. Ouais, mais genre à blinder, genre. Tous habillés de la même manière, genre tous comme des soldats et tout. Putain, c'est vachement bien, on est voilà. Quand même tous des Européens. Tonton. Ça va et toi, dis? Tonton, c'est Arnaud. C'est un monsieur, il a deux trous dans le nez, hein, comme tout le monde, hein. Ça, c'est la grande phrase d'Arnaud que j'aime beaucoup. C'est un pur comme moi, en fait, un pur belge. Je te dérange pas, dis. Je voulais te demander pour les Victoires de la musique. Parce qu'on voulait faire une petite mise en scène, hein. Pour faire un truc bien. Et on a eu une comme idée, tu me dis, parce que c'est quand même ton morceau, et voilà, j'aimerais pas dénoter ce que t'as fait. On s'imaginait une espèce d'armée de militaires, en fait, derrière nous. Qui marchent simplement et au refrain qui font le salut militaire à la limite et puis et derrière nous en fait le drapeau
européen, tu vois, donc toujours les étoiles, mais le fond changerait en fonction des... Et il changerait sur toutes les, tous les drapeaux du monde. Comme Beyoncé, là, l'avait fait avec les... Quand il y avait... Tu vois. Et Michael avait déjà fait ça aussi. Mais... Il se donne pas de limites artistiques. Hein. Après, les limites, c'est souvent les limites de moyens. Mais lui, il se donne pas les limites artistiques et... Non, je pense pas qu'il ait la folie des grandeurs. Je pense qu'il a envie de faire des belles choses. C'est le 3. C'est dans une semaine, en fait. Hein. Ouais, c'est dans une semaine, mais on a le temps de se préparer. Hein. T'es ouvert comme une vieille pute. Ça va, ok. C'est une bonne... Ok. Ah, ben c'est cool. Ouais, je mange bien, t'entends. Bon, ben, magnifique, hein. Enfin, écoute, moi, donc pour le moment, moi, je trouve... Les drapeaux sont formidables. Ok. Mais pas le reste. Mais le truc, c'est encore hésitant, quoi. Parce que ça va prendre beaucoup de place. Ça, y a pas de problème. Si c'est ça le problème, c'est... Nous, on est au milieu. 1, 2, 3, 4, comme ça. Donc, ou alors, un peu derrière, les deux musiciens. Musicien, Arnaud, Paul. Et ici, sur les côtés, en fait, il y a beaucoup de place. Donc, un clown avec un nez rouge. Ça, c'était ta stock, tu m'avais dit. Une péripatéticienne. Une indienne, une bolivienne, péruvienne, type chapeau rond avec les deux couettes, tu vois. Une femme voilée, un roux, à la YMCA, quoi. Donc ça va être des personnages, mais à dessiner. Donc, toi... Non, c'est des vrais, hein. C'est des vrais figurants. Hein. Des vrais? Ouais. Sur scène? Ouais. Ça va être trop, tu veux dire, ça va être vraiment trop. Moi, je sais pas. Les drapeaux et les militaires, ça va être abusé. C'est la crise, hein. Ça, c'est... Moi, je pense que ça va être ouf de temps. Bah, je fais beaucoup de prières, mais j'ai confiance en lui. C'est un mec avec du talent. Et je l'aime comme chaud la crème. Je ne suis pas une footballiste. Je ne suis pas une communiste. Ça me fait peur parce que tout a été bien. Ça me fait peur. Oui, mais c'est ça qui me fait peur. Je préfère quand tout va mal. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en général, ça met la pression pour que le lendemain... Ça ne fout pas la boule, les boules parce qu'on dit toujours mauvaise générale égale bonne première et bonne première égale... C'est couru, là, quand même. T'as vu comment tu chantais? Ouais, c'était couru. Ouais. Je pense que je suis un peu un obsédé de l'erreur, quoi, de la perfection. Ouais. Mais comme je crois que tout le monde, en fait, tout le monde est comme ça, en fait. Salut, bonjour. Bonjour. Paul, enchanté. Ça, c'est des vrais avec le débardeur. Les filles sont pareilles. La veste un peu ouverte. La ceinture comme ça. Elle est où, la ceinture? La ceinture. Comme ça, au-dessus de la veste. Du coup, la veste est un peu ouverte. T'as le débardeur kaki en dessous. Okay. Et des vrais rangers. Et t'as... Une petite casquette. Ça, voilà. C'est sobre, quoi. Sur les yeux, on peut bien sur les yeux, comme ça. Tu les veux baisser, comme ça? Ou pas? Ou c'est mieux? Comme ça? Ouais, ouais, comme un peu ça. Plus... Ok. Les lacets fermés jusqu'en haut touche. Ouais, ouais. Et la veste aussi. On peut ou pas? Si tu veux. Ouais, en fait, je voulais mettre un nœud papillon et avec des paillettes et des feux d'artifice qui sortent du nœud papillon. Alors, attends. Demain, en direct, ouais, hein? Voilà, c'est ça. Aucun problème. Ouais. On va l'incruster, surtout. Okay. Hein, c'est ça. Ok, parfait. Moi, c'est très, très bien. Avec tous les boutons fermés, voilà, nickel. Oui. C'est super gentil. Merci beaucoup. Je crois que la passion, c'est ce qui me permet d'être aussi perfectionniste ou inversement. Je ne sais pas comment ça va, dans quel sens. Mais cette notion de perfectionnisme, c'est essayer de ne rien laisser au hasard, quoi. Bon, les gars, quelles chaussettes? Des foncées ou des claires? Ça va être... C'est mieux, non, ça? Des foncées. Mais moi, j'ai des chaussures foncées, par contre. C'est pas très, très, très joli. C'est mieux foncé, hein. Ouais. Parce qu'avec le rappel là. C'est trop en fait. Non, c'est pas le même gris en fait. C'est pourri en fait. C'est pas beau clair. Je pensais que ça allait être beau. J'ai clairement encore essayé une autre paire de chaussettes. Gauche, droite. Son plus grand défaut, c'est qu'il est indécis.
Donc il est indécis et il est pas assez... Allez, faut y aller, quoi. On y va maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Faut y aller, faut qu'on fonce. Putain, cherche pas rien. Nous sommes quand même tous des Européens. Je crois que prendre le melon, c'est simplement avoir une... voilà, être simplement plus sûr de soi que d'habitude, que n'importe quel être humain. Et je pense que si c'est un changement, je pense que c'est pas bon. Quand on connaît un succès fulgurant comme ça, je pense que rentrer à la maison, avoir son petit frère qui aime pas forcément les nouvelles compositions et qui va le dire franchement, avoir... la maman qui va dire à Polo, bon bah non, bah maintenant tu débarrasses la table ou ce genre de truc. Je pense que ça aide en fait à garder les pieds sur terre. Tu fais caca comme tout le monde et t'es le petit quoi. T'es l'avant-dernier et voilà, c'est tout. T'es l'avant-dernier et que des tartes t'en as déjà ramassé et que tu peux encore en ramasser. Donc c'est très bien, c'est bon pour la santé les gifles, je pense, de temps en temps. Bravo, bravo monsieur, merci. Bravo monsieur. Merci beaucoup. Grand respect, vous le méritiez, ça va largement. Tu vas bien ? Il a une faculté de modestie, de second degré, de recul par rapport à son travail. Et je pense que c'est toutes ces facultés-là mises ensemble, toutes ces qualités qui font son succès. Voilà. C'est pas que son morceau, c'est pas que parce qu'il est beau gosse, parce qu'il a un nœud papillon et des shorts et des grandes chaussettes. Quoi. Je pense que maintenant, c'est vraiment la phase où Polo a besoin de se retrouver seul, composer, faire 20 instrus qui seront peut-être pourris et en choisir une qui fera peut-être la différence. Donc vraiment là, c'est la période où il a besoin de se retrouver, quoi. C'est compliqué parce que il a beaucoup de pression aujourd'hui. Il a pas encore le premier morceau, peut-être qui va le faire décoller en fait. Voilà, c'est tout. Comment être dans le même mood que la première fois? C'est ça la grosse question. Et ça, j'ai toujours pas la solution, à part être devant mon bureau et faire ma musique, quoi. Je pense qu'après un gros succès, tu aurais naturellement tendance à aller t'acheter plein de matos, à te foutre et à te noyer avec du matériel en trop. Mais sous les conseils de toutes les personnes que j'ai autour de moi, j'essaie de rester hyper... même des fois trop, en fait. J'ai même trop tendance à rester dans mon matos un peu trop pourri parce que j'ai trop peur de changer des habitudes. C'est mon côté un peu vieux. Et puis, en même temps, je suis convaincu, et on est tous convaincus, que c'est l'oreille avant tout, quoi. Et j'ai mis le sabma. Et j'ai mis le lastagni. Et j'ai mis le sabma. Je pense qu'il doit faire le vide. Enfin, on a quand même passé 2 ans intenses. Il doit pas penser au côté business. Il doit penser à la musique. C'est sûr que tu y arriveras. Tu finiras bien par l'écrire. Mais tu l'as bien fait une fois.
tu feras de même toute la vie, toute la vie, toute la vie. On est chez ma maman. On est chez ma petite maman. Et dans ma chambre, donc, que je veux bientôt quitter d'ailleurs. Il est peut-être temps quand même à 27 ans. Hein. Je suis très très bien ici. J'ai pas besoin d'être dans les in the place, quoi, tu vois, genre pour. Comme si t'allais rater quelque chose ou quoi. Tant mieux, quand tu veux t'isoler, t'es ici, tu t'isoles, c'est terminé. Lâchez-moi la grappe avec vos bêtes questions, comme on le dit, bêtes questions, bêtes réponses. Quand est-ce qu'il sera fait? Lorsqu'il sera prêt. Même s'il sera fait 26 000 ans après. Je sais que c'est moi et que je récolte ce que je sème, mais j'ai besoin d'être seul et près de ceux que j'aime. Un album n'est pas en un claquement de doigts, mais croisez-les et dites-moi. Il n'y a qu'ici que je peux avoir cette fausse solitude, quoi. C'est-à-dire que je peux m'isoler, mais en vrai, je suis pas tout seul, quoi. Quand je suis vraiment, vraiment tout seul, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des chouettes trucs qui sortent. Ce que j'aimerais bien faire peut-être dans le prochain, ce serait être un peu plus aéré. Peut-être des choses comme ça, mais peut-être pas aussi évidentes que celle-là, parce que c'est peut-être trop prévisible, quoi. Il y a plein d'artistes qui ont déjà fait des morceaux dans le style comme ça, quoi. Donc j'innove pas vraiment en faisant un truc comme ça. Et j'ai l'impression que c'est plus dans les moments d'un peu plus de faiblesse comme maintenant. C'est un moment creux, comme ça, entre deux albums. C'est là justement que c'est un peu le pire moment, même si c'est quand même le cul dans le beurre, je tiens à le préciser. Mais c'est des moments de questionnement, forcément, de pression, tout ça. Et donc là, c'est là que tu commences à te remettre en question. On part pas de rien. On a attendu. Je trouve on a attendu. Il faudrait aller, on y va, quoi. C'est pas qu'on a fait le plus dur, mais voilà, là il faut qu'on reste constant. Il faut qu'on arrive à comme ce qu'on a fait depuis le départ, à essayer de surprendre les gens, parce que c'est ça qu'on veut faire. Continuer le plus longtemps à s'amuser. Continuer le plus longtemps à être curieux. Garder absolument, farouchement, l'envie, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui s'évapore, qui s'en va au fur et à mesure que tu grandis, je suppose. T'es de moins en moins curieux, t'es de plus en plus averti, donc t'es de moins en moins surpris. Rester le plus longtemps surpris. Un artiste qui dure, c'est comme des montagnes, quoi. Ça, voilà, et... J'espère qu'il aura le cran, si un jour ça lui arrive d'être dans le creux de la vague, de continuer, d'avoir assez de force pour monter la montagne et revenir au sommet. Parce que je pense que c'est, avec le talent, l'esprit de compétition qu'il a, il peut gravir de sacrés sommets. Bon, lui, il pense que c'est la chance, mais voilà, pour moi, il a un don. Pour moi, il y a des gens qui ont un don, et pour moi, il a un don. Je me suis demandé, en fait, une fois, est-ce que tu es heureux de faire ce que tu fais, en fait ? Je fais ce que je veux. Ce que j'ai toujours voulu faire, et en plus, on me permet de vivre de ça. Ça, c'est peut-être le plus qui te permettra de continuer à vivre plus loin, mais sinon, voilà, j'ai montré que je savais faire de la musique, j'ai montré que j'avais quelque chose à dire, et le public m'a dit « Ok, on te croit », et il attend que je confirme, mais je crois que j'ai réalisé une petite partie de mon rêve, en tout cas, ouais. C'est déjà pas mal, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on m'a déjà offert beaucoup. Sa vision nous intéresse et nous fait progresser. Moi, j'aime beaucoup ce mec. Stromae, change rien. Nous aussi, on l'aime beaucoup. Alors à bientôt, Stromae. Mais on ne se quitte pas tout de suite, car nous avons rendez-vous dans un instant au Festival des Vieilles Charrues. À l'affiche du Cru 2012, Aurel San, Brigitte, Rover, Zebda, etc. Klaxon.